bienvenue à EDM Suisse. Aujourd'hui, nous sommes sur une Robophile Charmy 240. Donc, c'est les premières générations de machines 240 des années 2000. Donc, on nous a demandé de faire la maintenance sur ces machines. Donc, on est venu à deux personnes, deux jours sur les machines pour préparer le bac de travail, le bac sale et le bac propre. Donc, la machine avait beaucoup de dépôts d'algues, des dépôts cuivreux et acier dans le bac de travail. Donc on a nettoyé toute la partie avec nos produits EDM Cleaner sur les parties inox, sur toute la partie et enlèvement du fond et du dépôt qui se trouvait dans le fond du bac. Ok, sur cette machine il n'y a pas de fuite au niveau du joint lame, donc on n'a pas fait le joint lame dessus, mais il se peut qu'on puisse le faire si on a plus de 5 litres par minute qui sort depuis le tuyau de derrière du bac. D'accord. Ensuite, maintenant, on est dans la phase de test machine. Vous verrez sur les différentes vidéos et photos qu'on a fait, les travaux qu'on a effectués sur la machine. Donc, il y a beaucoup de nettoyage. Et ensuite, il y a toute la maintenance au niveau tête supérieure et tête inférieure. Donc, vous allez voir après sur le bac de bac sale tous les dépôts qu'il y avait et comment on arrive à sortir la machine. Donc là, elle est presque neuve. Comme une machine d'érosion, il n'y a pas de moment de force, il n'y a pas d'usure prématurée, des cages à aiguilles, des vis à vis ou des roulements. On a une machine qui est presque neuve. Au niveau générateur, temps d'impulsion et tension, on est bon aussi. On fait des tests d'usinage. Là, on est avec un laiton dur, 900 newtons millimètre carré, sur une hauteur 50 et on a une vitesse actuelle de 2,3, ça oscille entre 2,2 et 2,3. La machine est stable, on n'a pas de stratégie, on a nos injections 8 bars 2 et 9 bars en bas. Donc on a la vitesse maximum actuellement avec un fil laiton sur du 52 haut. Le fil ne casse pas, on a testé l'enfilage, le réenfilage, tout ça fonctionne. On a fait le wire setup, les guides setup, au niveau du frein aussi, réglage du frein. Donc si vous avez besoin de maintenance sur vos machines d'érosion Charmy, vous pouvez faire appel à EDM Suisse. Donc sur cette partie-là, deux personnes deux jours, vous pouvez me demander un devis, n'hésitez pas à m'appeler, vous voyez le téléphone qui s'affiche en bas, vous allez sur notre site internet www.edmsuisse.com et puis après vous pouvez récupérer votre machine comme neuve. Si vous voulez la vendre pour la valoriser, si vous voulez l'entretenir après quelques années d'utilisation puis vous voyez que les vitesses d'usinage descendent, vous pouvez faire aussi appel à nous, comme ça on revient à un état normal, comme au premier jour. Voilà, c'était Yannick Göring pour EDM Suisse. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.